Je m'appelle Guillaume Denis, je travaille actuellement au Parc Canadien. Alors. Je me présente, je m'appelle Maxime Denis. Le Parc Canadien, c'est une structure familiale qui regroupe de la restauration, des visites de parcs animaliers, bisons, biches, cerfs et daims, avec également le dernier né qui est un parc à loups. On propose de l'hébergement. Et... Entreprendre et réussir, c'est un parcours pour chefs d'entreprise déjà installés ou en devenir. Un parcours qui mêle de l'accompagnement individuel et de la formation en session collective avec des entrepreneurs venant de différents métiers, ayant différents parcours de formation initiale et qui vont pouvoir partager leurs expériences. On voulait s'enrichir au niveau des connaissances et surtout au niveau du management, mais de manière très 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 générale. Donc on a appris à s'organiser, à travailler avec les gens, à apprendre qui sont les personnes avec qui on travaille, comment s'adapter à eux. Et il y a tellement de clés qui sont données, je pense que chacun va trouver son bonheur à l'intérieur de cette formation et va en tirer une conclusion qui sera différente. Les expériences qui sont vécues là-bas sont complètes, on aborde vraiment toutes les facettes de l'entrepreneuriat. Chose concrète qu'on a pu développer au niveau du parc, donc c'est la communication du parc qui n'était pas développée, c'est des postes qu'on a donc créés par rapport à ce qu'on a pu apprendre, c'est réapprendre aussi comment travailler avec les collègues, c'est-à-dire le management pur, la structure, l'écoute, et on a mis des choses en place qui facilitent la communication avec nos salariés, et ça permet d'avoir une structure beaucoup plus viable, beaucoup plus saine, et que ce soit pour moi ou pour mes collaborateurs. Le regard change, évolue. On n'est pas plus indulgent avec soi-même, parce que ce n'est pas le but. Il faut garder de l'exigence pour pouvoir atteindre ses objectifs. Mais on apprend à être fier du parcours qui a été fait avant. C'est si on veut progresser, c'est indispensable. Si ça parle au chef d'entreprise, c'est un retour sur l'investissement. L'investissement, par rapport au retour, il est minime. Entreprendre et réussir, c'est investir sur soi. Donc vous, les chefs d'entreprise, vous investissez énormément sur le matériel, sur le foncier, sur de la recherche et innovation. Et je trouve que sur vous, vous n'investissez pas assez. Et puisque nous disent des entrepreneurs qui ont fait le parcours, oui, c'est que le retour sur investissement vient assez vite.